Autant, tu vois, ça m'intéresse plus de voir Ngannou versus Tyson Fury. Pas parce que je crois en Francis Ngannou, même si j'ai énormément de respect pour lui, hein, mais il faut à un moment, pour moi, Ngannou, Tyson Fury, et je te le dis en tant qu'amateur, je suis pas un, tu sais, je suis un mec qui aime regarder la boxe, je suis pas un professionnel, ça se trouve, Johan, il aura un avis différent du mien, mais pour moi, soit il y a un lucky punch qui part, soit c'est, tu vois, je veux dire, il faut un coup de chance pour qu'il gagne. Même si Ngannou, il a un passif de boxeur quand même, etc., Tyson Fury, c'est, déjà, c'est un monstre en termes de boxe pure, et puis c'est un professionnel de son sport, tu vois. Tu peux pas arriver comme ça. Et... Je sais qu'à chaque fois qu'il y a eu des combats, gars de MMA contre boxe anglaise, c'est le gars de la boxe anglaise qui a gagné. C'est normal, et comme un mec de boxe anglaise qui va combattre voilà. MMA, on perdra, c'est une question de logique. Mais les mecs, ils vont pas dire non, putain, on parle de millions à chaque fois. Je te dis, je fais un combat en Russie avec un ours. Hein, contre un ours. Tu préfères un ours ou 5 femmes? 5 femmes, quand même. De par mon passé, peut-être les femmes qui veulent.